Notre larve Daesh a pris du poids et elle mesure aujourd'hui 45 mm. Ce gros plan sur la tête nous permet de voir les yeux proéminents et les antennes comparativement minuscules et très fines. Sous la tête, nous voyons le masque qui sert, comme nous l'avons vu précédemment, à capturer les proies et les ramener vers la bouche. Mais nous voyons également les pattes grêles et le corps transparent. Sur l'avant du masque, nous voyons les crochets qui servent à agripper la proie. Sur la vue dorsale, nous voyons les fourreaux à l'air.